Salut à tous, vous vous rappelez de cet aquarium? C'est un bac personnel que j'avais réalisé en 2017, qui avait d'ailleurs bien marché en concours et que j'avais eu l'occasion de vous présenter sur cette chaîne. Néanmoins, ce n'était pas un format step by step pour la bonne et simple raison que c'est un bac qui se travaille, un bac de concours se travaille sur 6 à 8 mois. Et du coup, pour ma part, quand je les réalise, les hardscapes évoluent régulièrement. Il m'arrive de changer pas mal de choses sur la plantation et c'est compliqué de filmer à chaque fois pour vous faire au bout de 8 mois un montage. Donc c'était juste une présentation globale. Mais il se trouve qu'un client m'a demandé de lui reproduire un aquarium similaire, un décor similaire. Donc c'est toujours compliqué de reproduire un aquarium parce qu'on sait qu'il n'existe pas, il n'existe pas deux pierres identiques, deux racines identiques. Et nous, aquascapeurs, ne sommes pas des sculpteurs. C'est-à-dire qu'on va plutôt faire de l'agencement avec les différents éléments du décor plutôt que de la sculpture et ce genre de choses. Donc j'ai travaillé tout cela en amont sur le bac de travail qui est ici. Et lorsque j'ai trouvé un agencement qui me convenait le mieux, je l'ai démonté et je suis allé le remonter chez le client. Et je vais vous montrer ça en vidéo. Quelques précisions par rapport au décor. Lorsque j'avais réalisé cet aquarium, les racines qui sont sur les côtés étaient siliconées sur les vitres des côtés. Tout simplement parce que c'était un bac de concours qu'il était réalisé pour une présentation de face, pour une photo finish de face, faite de face. Alors que chez mon client, les gens vont pouvoir tourner autour de l'aquarium, on va pouvoir le voir sous différents angles. Donc les racines partiront de l'arrière pour venir vers l'avant, pour retrouver un peu l'esprit malgré tout, mais voilà, il n'y aura plus de silicone, ça sera beaucoup plus présentable dans sa vision globale. De même, le format est quelque peu différent. Celui-ci était un 300 litres alors que le bac de mon client est un 250, donc les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je vais avoir un peu moins de longueur de façade et un peu plus de longueur de centimètres en hauteur. Voilà, pour le reste, ça revient à refaire un décor identique, donc je vais vous montrer ça en vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Thank you.
cet aquarium, je vais l'entretenir, donc je vais avoir l'occasion de vous faire des retours en vidéo de son évolution. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sachez qu'il y a pas moins de 3 vidéos qui ont déjà été tournées et qui sont en cours de montage. Et sur ce, je vous dis à bientôt.